frères et sœurs. C'est toujours une joie de venir chez vous et c'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu. Je voudrais commencer avec une lecture dans le deuxième livre de Samuel. Donc nous allons dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de Samuel au chapitre 21. Et je vais lire à partir du verset. Donc, 2 Samuel 21, à partir du verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishni Benob, l'un des enfants de Rapha, qui eut la pensée de tuer David, il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Zeruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent et lui dirent, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibekai le Hushatite tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jareh-Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath qui avait une lance dont le bois était comme une, un souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts à chaque main et à, et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shimea, Fred de David le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha-Agathe. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. L'histoire que nous venons de lire se passe vers la fin de la règne du célèbre roi David. C'est-à-dire quelques 45 ans après sa défaite du géant Goliath. David n'a plus eu à combattre un géant depuis lors. Mais maintenant, il se voit de nouveau menacé. Cette fois-ci, pas par un géant, mais par quatre géants. Quatre géants. Fils de Goliath, qui, comme leur père, sont tous des guerriers redoutables. Première leçon pour ce matin, ne pensons jamais que nous avons vaincu le diable une fois et pour toutes. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Deuxième leçon pour ce matin. L'onction divine ne met pas les enfants de Dieu à l'abri des géants, des géants de péché des géants de maladie, des géants de découragement, de dépression, de défaite. Bien que David soit loin de l'Éternel et roi d'Israël, il doit tout de même combattre des géants. Contraire à ce que certains prêchent et enseignent, le fait d'être chrétien ne nous met pas à l'abri des épreuves. Au contraire, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Pas peut-être, hein? vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Paul et Barnabas fortifiaient les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Quel message! Vous regrettez déjà d'être venus ce matin, n'est-ce pas? Hein Venez à l'église et on vous dit que vous allez passer par des tribulations. Restez encore un peu, ça, ça devient mieux. Paul écrit aux Thessaloniciens « Lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. » Il écrit à Timothée « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors être enfant de Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves, des contretemps, des tentations, des maladies. Troisième leçon pour ce matin, les victoires d'hier ne tuent pas les géants d'aujourd'hui. Satan connaît nos points faibles et il sait que s'il y a une chose qui fait peur aux Israélites, c'est des géants. Dix des douze espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan disaient le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille nous y avons vu des géants enfants d'Anac de la race des géants et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Les Israélites, eux, n'ont même pas vu ces géants, mais ils en avaient, ils en avaient déjà tellement peur qu'ils ont refusé d'entrer dans leur terre promise. Ils se demandaient même, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte le jugement de Dieu était sévère. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ils avaient peur des géants. Est-ce qu'il y a des géants qui vous font peur? des géants de tentation, des géants de péché, des géants de maladie, ou de dépression, ou de découragement, ou d'angoisse, d'amertume, de haine. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Le nom Philistin veut dire celui qui envahit les envahisseurs. Et les Philistins envahissent du territoire qui appartient à Israël, le peuple de Dieu. Ils y viennent pour tuer, pour détruire. Ils n'ont pas le droit d'y être. Cette terre ne leur appartient pas. Mais Satan envoie ses géants envahir la terre que nous occupons en tant qu'enfants de Dieu afin de tuer notre vie spirituelle, notre paix, notre joie, notre foi, notre assurance de salut, afin de détruire notre sanctification, notre fidélité et notre consécration. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Et David était fatigué. Il n'avait plus la même force, la même vigueur que 45 ans auparavant. Les personnes âgées parmi nous savent ce que ça veut dire, n'est-ce pas Nous non plus, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions il y a 45 ans. David est fatigué. Il n'est plus capable d'affronter les géants philistins maintenant comme il a confronté Goliath il y a 45 ans. Et le géant qu'il a vaincu alors s'est multiplié par quatre entre temps. Quatrième leçon pour aujourd'hui La victoire dans la vie chrétienne n'est pas un événement unique qui s'achève définitivement en une seule fois. Au contraire, la victoire dans la vie chrétienne est un défi constant qui se relève et qui doit être gagné chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour. Ce que vous avez remarqué, Satan ne prend jamais des vacances. Il ne donne jamais sa démission. Il ne se repose même jamais. Il reste toujours notre adversaire, constamment et sans arrêt. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit, ne donnez pas accès au diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan a attendu 45 ans pour se venger de David, de la mort de Goliath. Et il croit que le moment soit propice maintenant, alors que David est faible et fatigué. Cinquième leçon pour ce matin. Contraire à ce qu'on pourrait penser, la vie chrétienne et la lutte spirituelle ne deviennent pas plus faciles avec l'âge et l'expérience. On pourrait penser, à un chrétien qui a beaucoup d'expérience de, avec le Seigneur, il n'a plus de problème avec des tentations et avec des luttes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Veillez, demeurez fermes dans la foi, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les fils de Goliath viennent venger la mort de leur papa. Ils sont plus nombreux, plus forts que leur papa, tandis que leur adversaire David est faible et fatigué. Oh, nous nous rappelons, n'est-ce pas, il y a 45 ans, David prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gypsière de berger et dans sa poche. Et puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas Il a pris cinq pierres. Il en a eu besoin de combien pour tuer Goliath Une seule Il me semble que les quatre autres étaient prophétiques. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendait avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, et Rapha veut dire géant, Jishbi Benob eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était saint d'une épée neuve. La lance de benob ne pèse que la moitié de celle de son père, et elle est reins, tandis que celle de son père était de fer. Il semble donc être moins bien armé. Mais il est saint d'une épée neuve, très aiguë donc. Bien sûr qu'il est saint d'une épée neuve, car David a pris l'épée de son père Goliath pour lui couper la tête. Nob » signifie moi, j'habite à Nob, dans le sens de moi et pas quelqu'un d'autre, ou moi et pas celui qui habitait auparavant. Nob était un village près de Jérusalem un village qui avait une signification spéciale pour David parce que c'est là ou c'était là à Nob qu'il s'est réfugié quand il fuyait le roi Saül qui était jaloux de sa popularité et qui menaçait de le tuer à l'époque Nob était une ville où habitaient beaucoup de prêtres parmi eux le sacrificateur Achimélec et David dit à Achimélek, N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes. Le sacrificateur répondit Voici l'épée de Goliath le Philistin. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit Il n'y en a point de pareil. Donne-la-moi. N'habite plus à Nob maintenant, car Saul l'a fait exécuter parce qu'il a aidé David. Nob veut dire lieu haut, un endroit où on rencontre Dieu, mais on n'y rencontre plus Dieu maintenant, et il n'y habite plus de prêtres. Jishbibé ben Nob, moi, J'habite à Nob. Pas Zachimélec, un homme de Dieu, mais Jishbé Benob, un homme du diable. Et Satan essaye toujours de remplacer Dieu, d'habiter le territoire de Dieu, d'usurper l'autorité de Dieu. Il dit dans son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai, monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Jishbebenob s'est installé. À Nob. Est-ce que... Un Jishbe Benob s'est installé chez vous, dans votre vie Est-ce qu'un Jishbe Benob habite maintenant chez vous, là où un Akimelech habitait autrefois Est-ce que dans votre vie, le diable a réussi à prendre du terrain, reprendre du terrain qui autrefois était consacré au Seigneur. Est-ce que le diable a réussi à réoccuper le temps que autrefois vous consacriez au Seigneur Est-ce qu'il a repris contrôle de l'argent que autrefois vous donniez au Seigneur Est-ce qu'il a volé la paix et la joie que vous aviez dans le Seigneur Jésus dit du diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et Jishbi-Benob eut la pensée de tuer David. Il n'est pas venu pour se moquer de lui, pour le taquiner. Il est venu pour le tuer. Et David était fatigué. Il y a cinq ans, 45 ans, David a confronté Goliath tout seul, sans aide. Mais maintenant, il a besoin d'aide. Et heureusement pour lui, Abishai vint au secours de David. Et Abishai veut dire don du Père. Gloire à Dieu pour des Abishai. Des frères et sœurs que Dieu nous donne, qu'il nous envoie pour nous venir en aide. Quand nous sommes physiquement et ou spirituellement fatigués, affaiblis, quand nous n'avons pas ou quand nous n'avons plus la force de combattre, de lutter contre les géants qui nous menacent, des Abishai, des dons de Dieu qui viennent nous soutenir. Moïse avait des Abishai quand Israël combattit combattait Amalek. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui, et il s'assit dessus. Et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire à Dieu, pour des Abishai. Qu'il envoie notre secours quand nous sommes dans le besoin, quand nous avons besoin d'être soutenus, quand nous baissons les bras. Sommes-nous des Abishai, les uns pour les autres? Jishbi Benob, un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Abishai, fils de Tserujah, me. Répétez toute la semaine pour prononcer ces noms. <laughs> Abishai, fils de Zeruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Dieu un, Satan zéro. Alléluia. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sébécaille, le Hushatit, tu as Saf, qui était un des enfants de Rapha. Le deuxième géant qui, qui menace David s'appelle Saf. Et Saf veut dire grand, dans le sens de haut de taille. Pourquoi est-ce qu'un géant fait peur Eh bien, justement, parce qu'il est grand, n'est-ce pas Et fort. Est-ce qu'il y a un SAF, grand et fort, qui se dresse devant vous, qui vous fait peur? Un problème, une situation géante? Peut-être à l'école, au travail, à la famille, dans la famille, dans votre vie personnelle. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit jamais avoir peur. Amen! Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. N'est-ce pas? La Bible ordonne plus de cent fois, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je ne vais pas citer les cent fois. Mais Moïse dit, n'ayez pas peur. Ésaïe dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Jésus lui-même dit, n'ayez pas peur. Lui aussi. Il a été menacé par un, un saph. Jésus et ses disciples arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gardaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait de, sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le, le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu des fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Jésus lui demandait Quel est ton nom Mon nom, lui répond-il, c'est Légion, car nous sommes beaucoup une légion romaine compte six mille hommes alors l'inférence est claire n'est-ce pas mon nom est légion nous sommes beaucoup nous sommes six mille plus nombreux plus grands plus forts que toi et tes douze disciples mais même toute une légion de démons ne font pas peur au seigneur jésus et jésus lui disait Sors de cet homme esprit impur. Et les esprits impurs sortirent. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sibekai le Hushatit tua Saf, qui était un des enfants de Rapha. Il ne faut pas trembler devant les géants. Il faut les tuer, les éradiquer, les éliminer, enlever leur influence dans notre vie. Comment Comment est-ce que en remplace la peur des géants, et bien par la confiance en Dieu. David chante, L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur Salomon dit, la crainte des hommes tend un piège mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Le prophète Isaïe dit c'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel Et Sebekai le chatite, tua. saf, Dieu de Satan. Zéro. Mais ce n'est pas encore fini. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et el Canan, fils de Jahar et oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une en souple de tisserand. Jishbe Benob. A échoué, Saf a échoué. Mais Satan a encore des géants dans son équipe. Et le géant qu'il envoie maintenant est un champion de nom et de renom. Goliath. Goliath 2, en somme. Goliath est revenu. Chez vous aussi. Est-ce qu'il y a un Goliath? Qui est revenu dans votre vie, une tentation que vous croyez avoir conquis, un péché que vous pensiez avoir vaincu, une maladie que vous croyez être guérie, un problème que vous croyez être résolu, des Goliaths que vous avez tués dans le passé peut-être même longtemps dans le passé mais qui sont revenus menacer votre vie et votre paix et votre foi et votre marche avec Dieu ne perdez pas le courage Elkanan fils de Jar et Orugim de Bethléem tua Goliath de Gath et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car celui qui est en vous est plus grand. Que celui qui est dans le monde. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et el fils de Jair et Oregim de Bethléem, tua Goliath de Gath. Satan a toute une famille de géants dans son équipe, mais Dieu a toute une famille de tueurs de géants. L'ancien, el tua Goliath, de Gath. et El Canaan veut dire Dieu est grâce et c'est par la grâce, en effet, que nous pouvons tuer les géants. David chante Tu bénis le juste au Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Salomon dit, Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Esaïe dit L'Éternel désire vous faire grâce. Paul écrit Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. El Canaan, Dieu est grâce. Tu Agathe de Goliath. Alléluia. Dieu 3. Satan, toujours zéro. Mais ce n'est pas encore fini. Il y eut encore une bataille à Agathe. Satan est très coriace, n'est-ce pas Vous avez remarqué ça Il n'abandonne jamais. « Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shimea, frère de David, le tua. » le, 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 le quatrième, le dernier des quatre géants que David doit combattre est un géant anonyme. La Bible ne nous révèle pas son nom. Mais aux yeux des Israélites, le fait qu'il ait cinq doigts sur chaque main et sur chaque pied le rend encore plus redoutable et dangereux que ses trois frères. Un géant anonyme est souvent plus dangereux qu'un géant avec un nom. Un invisible est difficile à combattre, n'est-ce pas Satan ne nous envoie pas seulement des géants de nom, des Jishbebenob, des Saf, des Goliaths, mais aussi des géants anonymes, des choses qui nous attaquent, des choses que nous, qui nous menacent sans que nous ne puissions pas mettre le doigt dessus sans que nous puissions savoir pourquoi ou d'où est-ce que ça vient. Un géo anonyme. Et Paul écrit, nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand un géant de péché ou de maladie ou de désastre quelconque nous arrive sans que nous ne soyons capables d'expliquer pourquoi, sans que nous ne puissions trouver une raison, une cause, un coupable, c'est généralement parce qu'il s'agit d'une attaque qui vient des lieux célestes. Quand nous savons cela, quand nous comprenons cela, cela ne va pas changer l'attaque, mais le fait de le comprendre, pas pourquoi le malheur nous arrive, mais d'où le malheur nous arrive, ça fait que nous pouvons y faire face non avec des réponses, des solutions, des armes humaines, mais en nous revêtant de toutes les armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle qui donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. N'ayons pas peur devant des géants. Ne désespérons pas, même devant des géants anonymes, car Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus a dépouillé les dominations et les, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le géant anonyme jeta un défi à Israël. Comme son père et ses frères, ce quatrième géant est arrogant. Mais l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le géant anonyme jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Et le nom Jonathan veut dire Dieu a donné. Et frères et sœurs, Dieu nous a donné son un esprit qui nous vient en être et nous donne la victoire sur tous nos géants. Le géant anonyme jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de frère de David, le tua. Dieu quatre, et Satan toujours et éternellement zéro. Je termine. Est-ce qu'il y a des géants qui vous menacent? Des Jishbibénob qui menacent ou envahissent votre vie avec du péché, une maladie, d'autres malheurs? Des Safs qui vous font peur, vous rendent anxieux? Des Goliaths 2 que vous avez vaincus autrefois mais qui sont revenus, vous hantent? ou des géants anonymes qui luttent dans les lieux célestes pour vous rendre malheureux et misérables. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha Agathe. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Alors quand des géants nous attaquent, N'oublions pas que c'est Dieu qui est ma puissante forteresse, que l'éternel est la force de son peuple, qu'il est le rocher des délivrances de son oin. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans les détresses. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. L'éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Il dit Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom tu es à moi ne crains rien car je suis avec toi alors fortifiez-vous et du courage ne craignez point ne soyez point effrayés car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi il ne te laissera pas il ne te délaissera point il ne t'abandonnera point c'est donc avec assurance que nous pouvons dire l'Éternel est mon aide je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme Vous, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu donne la victoire, pas seulement une fois sur un géant, mais toujours et sur tous les géants, dans toutes ces choses, contre tout. Ces géants, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Telle l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui le vient de moi, dit l'Éternel. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.